Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Resident Evil 6, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Juin 2013. Chill. Ça y est, on arrive en Chine. Parfait. Ça va, tu tiens le coup? T'aurais dû me dénoncer. T'aurais été blanchi. Peut-être, mais ça n'arrêterait pas Simmons. Et puis, je commence à m'habituer à ta présence. En plus. Mulligan, on a un problème. Et un gros. Le pilote s'est transformé en monstre, comme celui qu'on a vu à la cathédrale. Ok. Oh, allez. Non, ça commence bien, ça. Mulligan, on a un problème. Et un gros. Le pilote s'est transformé en monstre, comme celui qu'on a vu à la cathédrale. Crois-tu? Allez vers l'arrière de l'avion et trouvez ce qui cloche. Gardez votre calme. Regagnez vos sièges et restez-y. Sur ce dernier chemin. Oh.
Je crois qu'on a réussi à temps. Merde! Il libère le même gaz! On doit s'en débarrasser! Il faut ouvrir la porte! Voilà les commandes! Allez dans le cockpit. Elena, il faut y aller. Pas ça.
Bon. Voilà pourquoi j'arrive pas à dormir en avion. Non, tabarnak. C'est pas vrai, c'est un cauchemar ou quoi? En ouvrant la porte, vous avez libéré de la pression et déstabilisé l'avion. Léon, tu vas devoir piloter cet avion. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ok, ça marche. Essaie de repousser ces ennemis. D'abord, désactive le pilote automatique pour rétablir les commandes manuelles. Ensuite, appuie sur le troisième bouton de la quatrième rangée du panneau supérieur. Troisième bouton. Ok, maintenant tu vas incliner le manche vers la droite. Ok. C'est plus dur que ça en a l'air. Allez, remonte. Combien de leviers pour piloter ce truc? Allez, on y est presque. Donc il me crie pas la tête, ça reste pas plus que ça. Il y a un avion qui arrive, c'est que c'est lui. Salut, Miss Jess. Mission. Ouais. On m'a dit que t'étais devenu agent. Qu'est-ce que tu fais là? Je recherche le responsable. Le conseiller de la sécurité, Simmons. Quoi? Tu dois sûrement faire erreur. Je travaille pour Simmons. C'est lui ton supérieur? Nous avons rendez-vous avec lui maintenant. Où est-il? Dis-le-moi. Hey Jake! Laisse-moi gérer ça. Je croyais que t'étais censé éviter les contacts. Tout contact. Léon n'est pas n'importe qui. Il m'a sauvé la vie à Raccoon City. Je vois. Ça va, ma belle? Léon, l'avion! Pour lui? La vie à toi? Plutôt un admirateur, genre qui nous lâche pas d'une semelle. Bienvenue au club. T'y habitueras. Ça va, merci. Compris. C'est
D'accord, allez. Croyez-moi, ce type est indestructible. Foutons-le ici. Toi, qu'est-ce que tu fais de bon, ma belle? Bien reçu. Je sais ce que je fais. Est-ce que ça va? Comparé à Raccoon City, c'est une promenade de santé. Je sais pas. J'étais trop jeune pour comprendre. Viens rejoindre. Viens aider. Je pensais qu'il voulait pousser l'autobus. Je pense que je peux le réparer. Chéri, prends le volant. Ok. Ok, on y va. Ça trouvait une nouvelle bébelle. Il trimballe une pièce de rechange. En tout cas, peut-être qu'il est prévoyant. Je l'avais bien dit, indestructible. Je pensais que c'était une plaisanterie. Voilà, non. On va pas laisser tomber pour autant. Hannigan,
Je t'ai perdu quand l'avion s'est écrasé. J'ai repris contact, mais tu ne répondais pas. Le bâtiment dont parlait l'agent Birkin n'est pas loin. Poursuis ton itinéraire, ok? Merci, merci. Sherry a dit qu'elle retrouverait Simmons dans l'immeuble Kunlang. Pour commencer, tu vas devoir traverser le marché en plein air, devant toi. Tu joues toujours au même jeu? Le verrou est derrière. Le verrou est derrière. Le verrou est derrière. Le verrou est derrière. Le bruit d'une porte barrée, ça aurait fait de l'affaire aussi. Ah, oh, super. Trois serrures différentes. Ok. Trouvons un moyen d'ouvrir ce truc. C'est pas vrai. Ça explique pourquoi toute la rue est bloquée. Les habitants voulaient barrer le passage. J'en avais jamais vu un comme ça. C'est nouveau, ça. Faut les empêcher de se coller. Ça marche pas. On va continuer longtemps comme ça? Si ça continue, on va manquer de munitions. Et deux. Regarde, une clé de cadenas. Allez, encore deux. Ouais, aide-moi. 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 Ah, je suis mort parce que... j'ai pas assez d'énergie. Cadenas. Allez, encore deux.
Elena. C'est bon. Tu dois l'ouvrir de ton côté. Attends, je vais l'ouvrir. C'est bon. Suis-moi. Suis-moi. Oh, c'est un clou là. Je vous parle là. Par ici. Tasse-toi, toi. J'ai trouvé la dernière. Allez, on dégage d'ici. Thank you.
Ben. Non, je pense qu'il est mort. La voie est libre. Faut qu'on se bouge. Il faut pas rater Simmons. Bien reçu. C'est bien là qu'il rencontre Chris. Ada. Suivons-la. C'est là qu'il rencontre Chris. Allez, il faut qu'on trouve des réponses. Oh, tabarnak. Tu barres? Eh merde, c'est fermé. On va trouver un autre moyen. On doit atteindre l'ascenseur. Cours! L'escalier. Finalement, au début, on croyait que c'était Sherry puis Lou qui couraient pour les... C'était pas eux autres, c'était Chris. C'était Léon puis Ada. Léon puis... Puis elle. Fermé.
Verrouillage en cours. Test des prototypes. Hadar ! Ici, nous avons mené des recherches vraiment fascinantes. Est-ce que ça vous dirait de retrouver un de vos nouveaux prototypes ? Je lui demanderai quand on l'aura attrapé. Léon, Elena, à vous. J'essaie d'ouvrir, mais le système de sécurité est très efficace. Je continue de pirater, mais essayez d'ouvrir manuellement. Occupe-toi des ennemis. Je vais aider Ungan et je vous laisse. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 0. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 0. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Je t'en sors bien, tu y es presque. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 0. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 0. Continue comme ça, tu y es presque. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 1. Brèche détectée dans la sécurité de la salle 0. Déverrouillage de la salle 0 en cours. C'est bon. Rattrapons-la. Laissez tomber, Ada, c'est fini! Oh, le grand méchant soldat va me tirer dessus? C'était amusant. Adieu. Ada! Toujours là, Jess. Je la vois. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, c'est là la rencontre avec Chris. Moi, j'ai fait le parcours de Chris en premier. Chris? Léon? Qu'est-ce que tu fais là? Baisse ton arme, Chris. C'est un témoin important, on a besoin d'elle. Un témoin ? Le ménage, c'est elle qui a causé tout ça ! Non, c'est pas elle, c'est Simmons, le conseiller de la sécurité. J'ai perdu tous mes hommes à cause d'elle ! Et moi, j'ai perdu 70 000 personnes ! Dont le président à cause de Simmons ! Elle travaille pour Neo Umbrella, tu sais ce que ça veut dire ? Ouais, je sais. Et tu vas quand même protéger cette femme ? Oui.
La relation entre les deux, ben, ils travaillaient au même département, mais lui, quand il est arrivé dans Resident Evil 6, quand il est arrivé dans Resident Evil 2, Léon était un personnage principal, il était une recrue de... Capitaine! De Raccoon City Police Department, puis il a rencontré sa sœur à Chris. Chris, qui était un personnage principal dans Resident Evil 1. Et sa sœur à lui, à Chris, était un personnage principal dans Resident Evil 2. Ada était apparue dans Resident Evil. Elle qui court, elle s'appelle Ada Wong. Il va la tuer. Elle était un personnage principal dans Resident Evil. Ouais, un personnage secondaire qu'on contrôle pas, qui est méchante dans Resident Evil 2. Occupe-toi, Simmons. Méchante pis pas parce qu'elle est Léon. Je sais que tu feras ce qu'il faut. T'es sûr qu'on peut compter sur lui? Il est là depuis aussi longtemps que moi. Je lui fais confiance. D'accord. Bien. Il faut trouver Simmons. Je pense qu'il faut aller par en bas. Léon, Elena, à vous. Si les infos de Sherry sont bonnes, Simmons se trouve juste devant. Soyez prudents. Terminé. Notre cible, c'est Simmons. Ça a jamais changé. Tu regrettes quand même pas de l'avoir laissé filer. On s'occupera de Ada plus tard. Là, on doit se concentrer sur Simmons. Ok. Allons arrêter cet enfoiré. Enfoiré, enfoiré, allons arrêter l'enfoiré. Voyons. Cinématique. Simmons! Eh bien, voilà qui est inattendu. Non! Attendez! Ah, agent Birkin, vous tombez vraiment bien. Veuillez arrêter ces deux individus, je vous prie. Ils disent que vous êtes impliqué dans l'attentat. Est-ce que c'est vrai? Ne me dites pas qu'il s'amuse à crier ça sur tous les toits, quand même! Répondez-moi! Uniquement pour le bien des États-Unis et de la sécurité mondiale. Je vois pas comment la mort du président pourrait profiter au pays! Le président est mort? Oui, mais c'est Léon qu'il faut remercier pour ça. Soyez maudits, Simmons! Débarrassez-vous d'eux. Peuvent encore nous servir. Vous devriez être plus prudent. D'accord, quel est le plan, monsieur le héros? Vous pouvez atteindre cette porte? Mais pourquoi on les bute pas? Parce qu'il faut que tu protèges Sherry. Vous pourrez en finir. Je n'ai pas que ça à faire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tuer Simmons. Elle contient des informations pouvant arrêter le virus C. Simmons la veut. Merci. Je vais demander au FOS de vous protéger. L'histoire est meilleure que je pensais. Alertez les hommes dehors. Oh! Ce qui est lui? Mmh.
c'est Ada qui a fait faire ça. Tu trouves ça, ce jeu-là? Oh. Simmons! Revenez ici! Ils doivent pas s'enfuir! T'inquiète pas, on va en finir. On vous aura, Simmons. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Merde, putain. Elena ! Tu connais les jeux Resident Evil ? Ce qu'elle nous prépare. Il y a une autre équipe à sa recherche. Mais vous, Simmons, vous êtes à nous. Vous êtes là pour venger le président, c'est bien ça. Imbécile. Non. S'il avait dévoilé la vérité sur Raccoon City, les États-Unis auraient perdu toute crédibilité et l'équilibre politique mondial se serait effondré. Pour éviter un désastre potentiel, vous en avez causé un autre, peu importe le nombre de victimes. Il fallait l'arrêter! Il menait mon pays et le monde. Au chaos total. Cette garce, comment a-t-elle pu oser me faire ça? Vous connaissez toute l'histoire en arrière. Fermé. Shit. Il est trop rapide. Décolle. On doit l'attaquer de deux côtés.
déjà. Je vais vous massacrer. You. Elena, aide-moi. Elena, laisse faire. Asti. Ok, faut se battre quand maintenant. Ok, quand il tourne demain, où je le frappe. Bon, moi je comprends le principe. Oh oh oh! Elle est fermée aussi. Je vois ça, là. Ah,
Ouais, fini, c'est le temps de mourir. En sautant, tu veux pas pogner la corde, hein? Équipe, écoute, à vous. On escorte des civils de Tachi pour les mettre à l'abri. Je crois qu'il est mort. Je sais pas. Mais on a fait ce qu'on a pu. Allons-y. Toi, reste dans le rang. Aucun signe de contagion au virus. Et alors, pourquoi on évacue ? C'est fini. C'est fini. Léon, nous avons un problème. Chéri et son compagnon ont été enlevés. Ils sont dans un champ pétrolifère sous-marin à une centaine de kilomètres de vous. Enlevés ? Pourquoi ? Les dossiers. Bien sûr, Bandy Landon. Mais attends. C'est la clé pour arrêter le virus C, c'est... Jake. Hannigan. Vérifie s'il existe une unité du BSA près du champ pétrolifère. Un instant. Qu'est-ce que c'est ? Ok, j'ai un Chris Redfield en ligne. Je te mets en contact avec lui. Chris Redfield ? Léon ! Léon, où t'es ? Chris, on est devant Tachi, pourquoi ? Barrez-vous d'ici ! Ah, c'est une missile qui a été lancée, ça. Bien, c'est à quelle heure tu travailles, là? Mmh.
Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil 6 live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!